Allez, salut à tous. Donc, on va travailler sur une façon de travailler les pentas. Donc, deux vidéos, regardez les exercices. Alors, cette vidéo, ces exercices de penta en la mineur, c'est fait pour aller travailler un morceau connu que je suis en train de mettre en place. Et on verra ça plus tard. Allez, c'est parti. De vidéo, donc on a une première vidéo où on va travailler en triolet, donc c'est pour vous habituer à repérer les accords par rapport au système KJED, donc forme de A, vous verrez c'est tout indiqué sur la tablature, et on va travailler la gamme. Forme de sol, forme de mi, forme de ré, forme de do, et forme de la à la 12e case. La deuxième vidéo, alors c'est un autre débit, c'est un débit de double croche, où on part de la position de la mineure 12e case, et on redescend la gamme vers les graves, donc de suite. Ok, alors donc ces exercices sont pour vertu et objectif de pouvoir passer d'une position à l'autre sans réfléchir et d'une manière un petit peu plus musicale que travail de gamme. Par exemple, on pourrait très bien prendre cette partie là, cette forme là, pardon, et cette forme là, et joindre toutes les parties donc d'une façon plus musicale que scolaire. Donc par exemple, on peut très bien aussi et ça s'obtient après ça s'obtient en parfaite connaissance par cœur de ces gammes et de ces formes de KJED. Donc après vous pouvez très bien faire ce que vous voulez. À l'infini, hein, ok. Donc ça peut être dans un contexte blues, dans un contexte rock, même autre, hein, donc apprenez bien
ces formes cajet. Donc là, je l'ai fait en la mineur, mais on peut très bien le faire en mi mineur. Hein. Ok, c'est pour traverser le manche et être expressif dans son jeu. Voilà pour cette partie, on va bientôt passer à des mises en place rythmiquement parlant aussi et musicalement parlant. Allez, à bientôt.